CLB, je te propose un défi. Tu vas devoir représenter un mob spécifique de Minecraft en 3D. Bonjour les Minecrafters, ici c'est LB35 pour un nouveau défi Minecraft. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, en tout cas à l'oral, parce que je suis sur une map solo. Hein. Je suis en compagnie de Juliette, c'est pas la première fois d'ailleurs. Pour la dernière vidéo. Sachant que la dernière vidéo va être postée plus tard que celle-ci, mais bon c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Bref, on avait déjà parlé dans une vidéo. D'originalité, monsieur. Bref, c'est un abonné fidèle, voilà, vous n'avez pas à en savoir plus sur sa personne. On l'appelle Juliette juste parce qu'on est des enfoirés avec Baban. Baban, ancien membre de la team, je vais arrêter les présentations ici car on a un défi. Aussi avec monsieur qui n'avait pas de pseudo, aussi avec un des tout premiers membres, Auré. Voilà, trêve de présentation des anciens membres qui n'existent plus et qu'on ne reverra peut-être plus en vidéo, sauf qu'Auré est d'accord pour faire de nouvelles vidéos. Enfin bref, Osef. Donc aujourd'hui mon défi Minecraft, comme vous venez de l'entendre il y a plus de 20 secondes vu qu'on a bavardé comme des idiots, je vais devoir construire un mob de Minecraft en 3D. Ce qu'on m'a pas dit c'est que j'ai une limite de temps de 10 minutes parce que sinon c'est trop facile. J'ai mon matos et je vais, comme vous devez le deviner, représenter un slime. D'ailleurs je suis en snapshot, ce qui expliquera quelques légers lags. Donc bref, on va pas s'attarder plus longtemps, donc que le défi commence. Et c'est parti, on se retrouve les viewers pour le début du défi. Alors... Minecraft. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un défi Minecraft, mais même à mon avis, c'est un petit peu une question conne, puisque tout le monde le sait. Sauf peut-être le nouveau viewer qui arrive sur la chaîne. Oui, aussi, oui. Oui, j'allais dire des kikou, mais en fait, non. Enfin, pas forcément, je crois que la majorité des gens qui regardent... Bah déjà qui regardent juste des vidéos consacrées aux jeux vidéo doivent connaître un petit peu juste de non Minecraft déjà. Ah oui, merde, je me suis mis un effet de hâte, bon c'est pas grave. Quelle honte, tu me déshonores. Bon. Un slime block. Ça a des yeux à peu près comme ça, donc je rappelle que je dois juste avoir fini mon modèle à la fin de la vidéo. S'il n'est pas parfaitement représentatif de ce qu'est un slime réellement, ce n'est pas un problème. Et ben il devra faire pouper des slimes et se faire tuer par des slimes. Non, pas du tout. Oui, en effet, c'est absolument pas ressemblant, mais bon, c'est pas le problème. C'est pas ça qu'on me demande. Je ne sais pas du tout à combien on en est dans la vidéo, là. Je n'ai aucune idée, mais d'un point absolu, de l'absolutivité. Ce mot ne veut rien dire, mais c'est pas... j'ai l'impression que les particules rebondissent sur... Ouais, les particules rebondissent sur les slime blocks, c'est juste un effet... C'est juste fun killer, je sais pas dans quel snapshot ça a été ajouté ça, mais... Fun killer. Je rappelle que cette vidéo est consacrée au moins de 18 ans. Est consacrée au moins de 18 ans. Bah oui. Donc interdite aux majeurs. Voilà. Donc je crois, d'après mes connaissances d'abonnés, disons fidèles, qu'il n'y a aucun de adulte. Il n'y a pas d'adulte sur la chaîne. Voilà. Bien alors je suis mad parce que s'ils voient ce que l'enfance fait de ses journées, la génération adulte doit bien déprimer. Bon, alors... En sachant que... je vais pas faire de spoil, hein, mais en sachant que la majorité des youtubeurs que je connais sont... Bah, pas que je connais, mais qui ont beaucoup d'abonnés, ont plus de 18 ans, je crois bien. Oui, oui. Là. Donc, eux aussi, des fois, ils passent plusieurs journées à jouer à Minecraft, par exemple. Je prends Sifano comme exemple. Sifano, mais même avec Pierre, même quasiment tous les Patrick. Soul, je crois qu'il est majeur, mais merde. J'aurais pas dû me donner cet effet de hâte. Bon, c'est pratique, mais avec modération, quoi. La hâte qui me permet de casser instantanément tous les blocs. Hein. Est-ce que ça fait un beau carré? Non, pas du tout. Donc du coup, je vais remonter.
sais pas du tout à combien on en est. En tout cas, ça va pas être super ressemblant, je m'en excuse. Mais au moins, ce sera un slime. Bah, ce sera fait quasiment que en slime bloc, donc oui, on pourra considérer ça comme un slime. Pas que en slime bloc, évidemment. Ceux, ceux qui sont spécialistes des slimes, fermez vos gueules. Parce que peut-être, ça, on peut dire que pour ceux qui font beaucoup de slime, enfin, c'est pas normal, on évite pas des slimes. Mais ceux qui font des slimes, ça doit être un peu, comment dire, ils ont de l'expérimentation. Oui, c'est ça qu'on dit. J'ai absolument pas regardé le modèle. J'ai absolument pas regardé le modèle de slime avant de faire la vidéo, donc je m'excuse pour les puristes. Merde. Et merde. Cet effet de hâte rajouté avec le lag de la snapshot, c'est vraiment infâme. Bon. J'espère que je vais avoir assez de slime block pour tout finir. Ça devrait aller normalement. Ah non, ça va pas aller, qu'est-ce que tu crois? Et attention, si la vidéo ne s'est pas arrêtée maintenant, défi réussi! Ah, super! Je ne vois pas, mais super! Oui, on est content! Quoi que non, je vais me permettre de faire quelques modifications. Les modifications? Five! Sérieusement, donc, si c'était un petit peu plus court, ça m'aiderait bien. Donc, le timer, hein, on n'en a aucune idée, mais... Je pense que ça va, oui, moi aussi. Et voilà. Donc, voilà. Ça, c'est fail. Non, c'est pas fail, hein. Et là, défi vraiment réussi. Voilà, ça ressemble déjà un peu plus à un slime. Un slime un peu bizarre, mais ça marche. Donc, ça devrait aller, les amis. Voilà. Défi réussi. Après, on n'est pas sûr à 100% vu qu'on n'a pas vu le timer. En tout cas, je pense que ça va. Je n'ai pas du tout regardé l'heure. Bon, bah voilà, on a un joli petit slime. Et je vais immédiatement procéder au montage pour voir si c'est vraiment un défi réussi. Et c'est bel et bien un défi réussi. Et en plus de loin, je remercie Juliette pour sa présence. Trop lol. Oh là là, mais ta gueule. Bah, et... c'est sûr que... En même temps, ma présence est plus divine que la tienne, je crois. Bon, n'hésitez pas à proposer toujours en commentaire des idées de défis, même si quand il y aura pas, je me documente sur Skype, j'ai rapidement des idées comme aujourd'hui. Hein. Je me disais, pour une petite anecdote, il y a Juliette qui est connectée, qui m'appelle, et je lui dis, j'ai pas d'idée de défi, je dois faire un défi aujourd'hui. Il me dit, bah, construire un meuble en 3D. Ok, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc n'hésitez pas à proposer des idées de défi. Du défi de CLV. Fixture Game Mojang, regardez à gauche de mon écran. Bon, en même temps, sur Snapchat, on va pas se plaindre. Et donc abonnez-vous chez CLB35, chez MC4Team et chez Juliette qui n'a pas de chaîne YouTube. Trop lol. Pas encore. Attention, pas encore. Oui, bon, bref. De toute façon, je m'abonnerai pas. Trop lol. Je plaisante. Et donc, sur ce, je vais laisser parler. Je vais peut-être laisser parler une seule fois Juliette, non? Le mot de la fin. Le mot de la fin. Un plat qui coule. Merci Juliette. Voilà. Donc sur ce, je vous dis au revoir. C'était CLB.